Et bonjour, bonsoir YouTube, c'est Alcia. Donc comme vous voyez, on se retrouve pour une ouverture de coffret. Donc c'est le coffret Rayquaza Shiny, hein, il s'appelle Rayquaza Chromatique. J'ai eu un gros souci quand je l'ai acheté, c'est-à-dire que le fait qu'il soit ouvert, c'est pour moi c'est tout à fait normal, puisque c'est normal. Ce serait un peu compliqué. Je l'ai eu, il avait déjà le blister d'ouvert. Donc savoir, hein, je l'ai eu dans un magasin de jouets. Donc j'espère qu'il n'y aura vraiment rien. Je voulais changer pour un coffret qui n'était pas qui était blisterisé normalement. Et finalement, je ne peux pas. Puisque je n'ai pas pu en avoir, puisqu'il n'en avait pas dans ce fameux magasin. Donc je l'ouvre comme ça tout de suite. J'essaie de vous le montrer rapidement comme ceci. Alors, Rayquaza Chromatique. Si j'arrive à vous montrer le dos. Voilà, si vous arrivez à lire. Et puis, on est parti pour l'ouverture. Je vais essayer. En plus, je vais essayer de pas esquinter mes figurines. Parce que j'ai des figurines derrière qui me servent à faire le fond, hein, comme vous voyez. Donc, je vais vraiment faire en sorte de ne pas abîmer mes figurines. Hop là, la première couche est retirée. Donc on va se regarder ce qu'on a. Donc on a 5 boosters en théorie, si j'ai tout bien compté. Hop, voilà, 3 boosters et en voilà 2 autres. Donc ce sont des boosters. Donc du étincelle avec les 2 méga draco feu. On a origine antique avec Rayquaza. Donc on va l'ouvrir en dernier. Primo Kyogre, très... Non, Primo Groudon et Tyr Nocif. Donc on va faire ça comme ça. Et puis on va ouvrir ça comme ça. Hop. Je vais mettre mes petits boosters ici. Alors, la carte promo, je la mets là. Et puis, je vous laisse admirer la promo de Rayquaza X qui est la 69. Donc je vais tout de suite la mettre sous pochette. Est-ce qu'elle est neuve au moins? Parce qu'elle n'était pas... Ouais, elle est neuve. Elle est neuve. J'ai pas vu de point blanc. Et puis, dans ce coffret, on a également une promo Jumbo. Donc c'est exactement la même que la petite. En beaucoup plus gros. Et c'est donc la XY69, comme vous pouvez le voir. Et comme je viens de le dire. Bon, je vais mettre ça de ce côté-là. Là. Et puis on s'attaque à l'ouverture avec méga draco feu. Alors ça doit être le X. Donc j'espère qu'il n'y aura vraiment rien eu de bouffé dans ce booster, hein, parce que c'est... Après je l'ai acheté comme ça, donc je vais pas m'en plaindre, hein. J'ai eu la chance de les trouver. Mais ça m'embêterait en fait que justement il y ait eu des problèmes avec les boosters. Bref. On commence avec un sympathique petit Roucoule. Eliansau. Forfurée. Grenipio. Flabébé. La tempête magnétique. Chartor. Le mégaphone surprise. En reverse, un petit Bagiguan et en rare. Un Kaimorse. Bon, pour l'instant, c'est pas une pioche très fameuse. Bref. Ici, on a le Dracaufeu Y. Je vous laisse peut-être lire. C'est vrai que je vous ai pas montré le dos des boosters. Parce que j'ai tellement l'habitude de ne pas les regarder que voilà. Donc j'ai la chaîne qui se met à gueuler, c'est chiant ça. Espérons qu'on ait au moins quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 1, 2, 3, 1, 2. Je me plante dans mon 1, 2, 3, 1, 2. C'est pas terrible. Eliansau. Mucuscule. Venalgue. Ponyta. Laporeille. Le Cube Protecteur. Un Floette. Luxio. Nemelios en Nolo Reverse et en rare. Un petit Stracciolo. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Voilà.
Bon, en même temps, je m'attendais pas à voir grand-chose dans Étincelle. Donc on va passer à Origine Antique, qui est ma série phare du moment, parce qu'il me manque vraiment quelques cartes de 3 fois rien. Je crois qu'il me manque 2 ex, et puis le plus gros qui va me manquer, c'est les Full Art. Donc n'hésitez pas, hein, je fais des échanges, voilà, je le dis. Les codes, pareil, vous pouvez me les demander, hein, je les donne volontiers. J'en donne, en fonction de ce que j'ai, je peux en donner entre 4 ou 5, voilà. Entre 3 et 5, voilà. En fonction de ce que j'ai, bien évidemment. Porygon. Golemastock. Sepiatop. Misterbe. Carole. La forêt de plantes géantes. Un petit Pyroli. La niveau ball. En reverse, un Aqualie. Qui est magnifique et je ne crois pas que je l'ai. Il me semble pas. Enfin, pour le coup, je vérifierai. Et en rare. Junko X, bon. Et quand je dis qu'il me manque des X, évidemment, il faut qu'il me tombe des X que j'ai en double. Est-ce qu'elle est neuve? Ouais, elle est parfaitement neuve. Donc pour le coup, mince, où est l'entrée du... Voilà. Hop, je la mets de côté, je m'attarde pas plus dessus. Et on va s'ouvrir les deux derniers boosters. Donc Primo Groudon et pas Primo Kyogre, comme je l'ai dit, hein, évidemment. C'était un faux lapsus de ma part, excusez-moi, hein, des fois ça arrive. Ah, au moins, mon coffret est rentabilisé. J'aurai de quoi échanger. Magikarp. Sepiatop, Zarbi, le petit Evoli dans sa prairie, un petit Persian, Lysandre, Aqualie, Orchide, en reverse, en commune reverse, Mucuscule, et Aurore. D'accord, d'accord, mais pourquoi pas. Pourquoi pas un Lugia X, hein, j'ai envie de dire, ça me fera toujours un peu de monnaie d'échange. Oh mince, il y a un petit point blanc là et puis un petit point blanc sur les côtés. Bon. On va tout de suite le mettre sous protection. Ah, c'est vrai que pour le coup, le coffret est rentabilisé. Hein. J'ai de quoi échanger, pas de soucis. Bon, on termine au niveau des boosters. Et moi. Donc c'est le Mega Rayquaza, évidemment. Mega Rayquaza Shiny à l'effigie du coffret. Misterbe, Tarsal, Golemastock, Marest, Doudouvé, Lysandre, Apirène, la forêt de plantes géantes, le top dresseur en reverse et en rare. Un Kaorin. Bon, pour le coup, je vais pas me plaindre. Hein. Je vais pas me plaindre. C'est vrai que voilà, une belle pioche. Je reprends tout de suite pour faire un petit récapitulatif, hein, tout rapidement. Mais voilà. Allez, à tout de suite. Et donc, recoucou les gens, c'est toujours Alcia. Donc, pour un petit récapitulatif au niveau de ce qu'on a tiré dans le coffret Rayquaza X. Donc, en dehors de la sublime promotionnelle XY69, pardon, nous aurions donc eu un Stracy. Petit Stracy holographique sur les boosters XY étincelle. Un Lugia X. Et un Mega Junko, non pas un Mega Junko, c'est le Junko tout court, et le Junko X. Donc voilà, j'espère que l'ouverture vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine ouverture. Bye les gens, c'était Alcia.